Je l'ai trouvé. Salut les castors, salut les marmottes, comment ça va-t-il bien? C'est encore Momo au bout du micro et dans le magnéto pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours à la bourre, comme d'habitude. Je suis en train de me speeder. Ce matin, on part direction Carlus dans le Tarn. On va rejoindre les copains pour une petite rando VTT. Et je crois qu'en plus, on fait de bonne action puisque c'est pour le Téléthon. Bon, ça y est, maintenant j'ai retrouvé ma chaussette magique, il m'en manquait une. Alors c'est toujours... Elles sont par paire, il m'en manque toujours une. Putain, je sais pas si à vous ça vous arrive, mais moi ça m'énerve. Donc on part direction Carlus, on rejoint les copains. Je vous prends avec moi, on y va, c'est parti, let's go. Allez, on trace. Bon ben les gars, je suis dégoûté, je suis deg, je suis obligé de rester à la maison. Je peux pas partir à Carlus, rejoindre les copains. Il est 11h38, on avait rendez-vous à midi et là je suis complètement bloqué. Je peux pas aller à la rando de Carlus. Ah, dégoûté. Bon ben c'est pas grave. Je suis deg, en plus j'avais commencé à filmer, donc là je suis comme un con, je suis à la maison, je suis bloqué. Alors qu'est-ce que je fais? Je me pose la question, soit je vous fais, j'avais commencé à faire des rushs pour la rando VTT de Carlus comme vous avez pu voir un petit peu avant. Donc je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de faire une autre vidéo un petit peu comme ça à la va-vite, ou j'arrête tout et je fais pas de vidéo cette semaine? C'est pas grave, on est quand même bloqué à la maison, mais on va quand même essayer de faire un petit truc sympa et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas là en dessous, vous me balancez un maximum de commentaires, ça vous plaît pas, mais vous me le dites. Bon, mais si tu trouves cette vidéo sympa, surtout n'hésite pas, tu me balances un petit pouce bleu. Et si tu trouves que j'aurais pas dû faire cette vidéo, que j'aurais dû attendre la prochaine rando, t'as qu'à me mettre un pouce rouge. J'espère que je vais pas me retrouver avec un maximum de pouces rouges. On verra bien. À la place de la sortie VTT de Carlus, j'ai ma petite idée. Je vais vous faire une petite vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour ça, j'ai besoin de matos. Ah, viens ici, toi. Alors, on va avoir besoin de ça. Et ouais, les gars, une petite scie sauteuse. Pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me filiez un petit coup de main. Et pour ça, j'ai besoin de... un mètre... une pince à placo, une scie sauteuse et ça aussi, une pince coupante. Je la remets à sa place, je la récupère tout à l'heure. Et je crois que c'est tout. Ah non, il me faut aussi le... Ah ouais, ben oui, il me faut le truc que si t'as pas ça, t'es pas un bricoleur, quoi. C'est pas possible. C'est l'essentiel du bricolage et puis même pour le VTT, c'est super pratique. Je dois avoir ça quelque part par là. Oui les gars, c'est ça. Si t'as pas ça, mais t'as loupé ta vie, t'es pas un vrai bricoleur. Il te faut obligatoirement toujours avoir dans ton sac à dos ou dans ton établi, dans les deux même, des serflex. Et ouais, les fameux serflex. Ça c'est la vie, quoi. Voilà, 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 quoi. Mais non les gars, je déconne, on a pas besoin de tout ça. Faire ce que j'ai à faire, on a juste besoin en fait de la pince coupante et des serflex. Allez, on y va, on attaque. Donc les gars, pour monter un garde-boue, il te faut déjà à la base un garde-boue. Donc ça c'est fait, on va voir si on va arriver à l'adapter pour le 27,5 pouces, parce que je crois que c'est un truc que j'avais dans les cartons depuis un petit moment. Ah mais il est là mon bébé, regarde mon bébé, je t'ai ramené une surprise. Oh putain de garde-boue. Sympa, il y en a qui se font du souci pour nous pour la préparation de la MB Race. Je vous mets quelques images de ma préparation perso. Chut, chut, faut pas le dire aux autres. Je m'entraîne tout seul dans mon coin. Je vous mets les images.
Salut la famille, comment ça va-t-il bien? C'est encore Momo au bout du micro et dans le magnéto pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai la flemme, je me caille, mais il faut vraiment y aller parce que sinon on va en chier. Donc là je vais faire un truc que je déteste. Je suis venu chercher ça. Et c'est parti, on y va. Wouhou! J'espère que je vous ai fait rêver avec cette vidéo. Vous avez vu la prépa pour la MB Race. Ben ça suit son cours, hein. On essaie de bien se préparer pour ce qui arrive. Donc encore dégoûté de pas pouvoir de pas avoir pu aller à cette rando du côté de Carlus, la rando des Coteaux je crois. Et voilà, donc j'espère que je vous ai fait rêver avec cette vidéo sur le garde-boue. Et je vous dis à bientôt, salut les castors, salut les marmottes, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouhouhou.